de ce bloc est importante aussi. Hein. Un bloc tournant. On le sait maintenant que effectivement pour réussir. Alors, cette... Et voilà. Et donc Fanny, sa capacité, c'est à trouver d'autres méthodes. Une méthode qui lui convient bien et elle est bluffante et toujours. Voilà, main droite. Et allez. Elle va aller le chercher yes. tranquillement. Une fois qu'elle a voilà, déplacé le bassin. Voilà, super. Ouais, Fanny, elle n'est jamais à court d'idées et elle va toujours trouver le petit truc qui va bien faire pour elle. Et cette capacité à utiliser tout ce qu'elle sait bien faire, et ben c'est sa grande force. Voilà, on revoit un petit peu ce premier passage, ce premier bloc en fait, compte. Donc, pour premier rectangle, c'est un top. Top en 1. Top en 1 pour Valentine. Top en 2 pour Fanny. Top en 2 pour Charlotte, top en 2 pour Maïlys et top en 3 pour Luce. Et là, en même temps, on ne met pas les zones, parce que les zones, c'est pareil. C'est... Voilà, et en même temps, on voit le classement en temps réel. Hein. Donc Chloé qui serait la première pour l'instant, la sortie de ce premier bloc, Valentine. Et puis juste derrière, Fanny Gibert en troisième place. On revoit. Donc on a revu le ralenti avec les deux méthodes. Voilà, et finalement, Fanny qui y va en statique. D'une façon différente par rapport aux autres compétitrices. Ouais. On voit le travail des pieds, des mains et surtout du placement du corps, parce que suivant comment elle place le bassin à droite ou à gauche, elle arrive à faire basculer. Voilà. Le ramener de main